Salut tout le monde, on se retrouve sur Little Nightmare 2, deuxième maison, et nous étions arrivés ici après avoir échappé in extremis à la maîtresse qui est en train de fesser des livres. Mais bon, je pense pas qu'elle est en train de fesser des livres, je pense qu'elle est en train de fesser quelqu'un avec sa règle en bois. Non, les plus anciens se rappelleront de ça. Oh, j'ai cru qu'il allait laisser tomber. Oh, non, non, faut pas que ça tombe. Quoique, vas-y, tiens, pour l'exciter un peu. Hop. Ah. Comme ça, ça laisse respirer un peu celui qui se prend des fessées. Prends sa gueule. Non ? Ah, non, non. Oh, j'ai peur, hein. Je croyais qu'elle me voyait. Il y a un bout de mon chapeau qui traversait la palette. Là. C'est bon. Continue. Allez, ça c'est chiant ça. Ouh, le saut de la mort. Hein. Je vois qu'il y a des livres, on n'est pas les premiers à venir ici. La bibliothèque. Alors. Sans la glissade, hein. Ces moments-là. Vas-y, cavale. Ça fout le maillot ou quoi là? C'est quoi ce délire? C'est quoi, regarde? Hop. Hein? Ah, tu viens pas là? Mais pourquoi il rentre pas? Tu vas me dire qu'il faut que je m'accroupisse, il est trop grand. C'est une blague. C'est quoi ce bordel? Wow! Je peux recommencer 50 000 fois là! C'est quoi ce délire? Voilà, j'ai traîné de la patte. On va voir pourquoi ça fait chier. Il y a un mur invisible. C'est quoi le délire? C'est pas possible. Il y a un truc. Thank you.
C'est quoi le bordel? Sérieux? Putain! Il y a un problème, le jeu est bugué là! Mais je peux pas faire autrement, je peux pas esquiver. Je suis obligé de me taper ça truc. C'est moi qui me prends comme une bite. D'ailleurs, on va s'accroupir, hein. Vas-y, prends ton temps, prends ton temps. Mais sérieusement, je... Ouais, je pense qu'il y a un problème là. Il y a un souci. C'est pas possible. Une fois, deux fois, ouais. Mais là, 50 000 fois, c'est pas possible. Il y a un problème. Pourquoi? Il y a un délire là. Putain, la poubelle qui me casse les couilles. Je recommence tout et là, il y a ça qui me fait chier. C'est pas possible. Je m'accroupis, je m'accroupisse, et en fait de sauter avant d'arriver sur la ligne, ça me faisait perdre du temps. Ouais, sérieux. Hein? Mais qu'est-ce qu'il... Il est con! Mais il est con comme une poutre! Pourquoi il a pas sauté de l'autre côté? Voilà! Comme c'est prévu! Je sais plus ce que... Oh 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 oh. Les traces, hop. Et ben, rien peut m'empêcher de voir 50 000 fois sur cette phase à la con. J'étais mauvais. Mauvais, mauvais. Vas-y, lâche la caisse, monte dessus. Monte dessus.
accueille. Hop. Non. La cantine. C'est des gens dans l'éducation, dans ce genre de situation. Mais je déplains. Vous allez connaître le cauchemar des enfants dissidents. Qu'est-ce que tu fais là? Allez, dégage. Allez, casse-toi. Merci pour ta tête. Nous allons traverser les lignes ennemies. Regarde-moi ça. Regarde comment c'est le bordel. Ils sont tous tarés.
Où dans cette école? Où est lui là? Ouais. Je vais me mettre sur la gueule. Je m'approche d'eux. Sinon, ils vont m'attraper. Derrière, je vais me faire roster. J'ai eu un coup de poing, les gars. Et... fight à 3. C'est dingue. Hop, mon petit chapeau papier. Ah non, mais c'est ouf, cette école, elle est tarée. La maîtresse, tu me diras, la maîtresse, elle est tarée aussi. Hein. Là, laisse ça tranquille. Là, nous allons chercher ce bocal avec de la cervelle dedans. Parce qu'apparemment, on ne peut pas utiliser un bocal simple pour pouvoir appuyer sur le bouton et nous sommes obligés de récupérer cette cervelle. Qu'elle était là, elle. Elle aime les grenouilles et la dissection. Est-ce que je vais là? Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Je crois que non, j'étais resté là, je crois qu'elle va partir toute seule. Allez, mais passe cette porte, qu'est-ce qu'il me fait comme délire là? Il est aussi fou que ça puisse paraître. Voilà ce qu'il faut faire. Pour rester dans l'ombre. J'ai trop voulu aller vite. J'aurais eu le temps. Pas du tout. Là, j'ai le temps normalement. C'est des vrais organes. Est-ce que je peux?
c'était pas plus haut. J'ai pas vu le piège. Dégage. Ah merde, vous êtes trop loin. Oh non, timing de merde. Il s'est fait arrêter. Bon, c'est quoi le saut, on a rien à foutre. Je vais venir par là. Je vais vous refaire la tête. Allez, 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 avec ton pote. Hop. Je vais vous refaire la tête. J'ai lâché le marteau. Allez, dégage. Derrière. Ah. Oh putain. Oh putain. C'était 18. Là, il y a un piège là. La planche. Je lâche pas mon marteau, je l'ai mis. Les gars, ils bougent son cul. Tiens dans ta gueule. Tiens dans ta gueule. J'arrive, mon pote. Ça va, poteau? Hey, copain. Copine, va savoir, je sais pas. Allez, viens, copain, je te lâche plus. On s'en va ensemble d'ici. On se casse dans ce trou de merde. Allez, viens. Attends, donne-moi deux secondes. Je regarde ta porte des toilettes. Non. Allez, on se casse. Vas-y, viens. On se barre. Vas-y, viens. Hop. T'es prêt? C'est ce qu'on appelle une entrée fracassante.
Ok, bon. Et bah sur cette entrée fracassante et musicale, on va dire, on va se laisser. On se retrouvera la prochaine fois. En attendant, salut tout le monde. Ciao!